Un moment fort, grandiose, celui où l'orgue de Notre-Dame s'invite au concert en mêlant son son à celui de l'orchestre symphonique présent sur la scène de la Grande Conche. Cyprès et Laurier, œuvre de Saint-Saëns 1919, célèbre la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. Depuis des années que je fais le violon sur le sable, en début de concert, je vois cette cathédrale qui est là, en face. Et là, ce soir, elle va résonner et elle va jouer avec les musiciens de l'orchestre, avec le chef, etc., avec Thierry Esquèche, le grand organiste qui sera ici, lui, tout seul dans l'église. Il est l'un des plus grands organistes français, Thierry Esquèche. Il compose, improvise, 4 fois récompensé aux victoires de la musique. Il n'y avait que lui pour réaliser ce challenge, permettre le temps d'une soirée de faire voyager cet orgue de 1964, instrument le plus important que possède la Charente-Maritime. Et quand on joue des orgues avec orgue, de toute façon, dans une église, l'orchestre ou les vents ou le chœur ne sont jamais à côté. Malheureusement, c'est rare de pouvoir les mettre à côté. Donc ils sont souvent à 60 mètres de distance. Bon, bah là, c'est plutôt 300 mètres. Mais en tout cas, c'est fascinant, c'est comme une expérience. Ce bel instrument, bon, ça va le mettre autre part, le faire jouer différemment. Et c'est vrai que voilà, à côté de l'orgue sur une plage, c'est vrai que c'est rarement arrivé. Sans qu'il s'agisse d'une prouesse technologique, l'intervention en direct de l'orgue à ce concert a nécessité quelques réglages précis. Le petit problème qu'il y avait, c'était le son. Parce que l'image on l'a, mais c'est le son, c'est-à-dire qu'il fallait renvoyer aussi bien le son de l'orchestre pour que la personne puisse jouer dans le tempo. Et en même temps, il fallait qu'il voit aussi le chef d'orchestre pour battre la mesure. 54 000 personnes ont pu profiter de ce grand moment de musique hier soir sur la plage de la Grande Conche à Royan. Un essai plus que réussi avec cet orgue en pleine restauration qui ne sera inauguré qu'à l'automne prochain.